Quel est votre prénom? Claudine. Claudine? Mais non, si jeune. Pourquoi? Oh là là. Oh, mais qui est... Toi, tu vas avoir la cote, mais plus tard, vraiment, c'est... Claudine, mais oui, je sens que t'as souffert de ça, je l'ai senti dans ta réaction. Ça va, maintenant ça passe. Et toi, quel est ton prénom? Delphine. Ah oui, bah oui. C'est moins intéressant, tout de suite, je ne cache pas que... Bah oui, c'est plus fable. Alors que Claudine, on s'est dit, il se passe quelque chose quand même là. T'imagines, tu ramènes une Claudine à la maison. Mais non, mais elle est jeune, je t'assure, hein, vraiment, hein, si. Et tu es étudiant dans quoi, toi? Oh! Bah, je connais bien le schéma, voilà. Directeur marketing plus tard. Tu as fini ton école de commerce ou non? C'est ici à Nantes? Ok. Et pourquoi t'étais mon essentiel? Petit commerçant. Ah, petit commerçant. Ici à Nantes? Ouais. Tu vendais quoi? De la déco. Ah ouais, ah ouais, ça va. Un essentiel. Ouais. Et bah attends, on va te faire de la pub, elle est où ta boutique? Passage pauvre. Ouais. Passage pauvre? Bon, déjà. Déjà, le nom est mal choisi au niveau de. Je l'ai pas encore visité, mais je pense que je peux... Pommeret, faut que tu y ailles. C'est vegan, donc. Ah, c'est Pommeret, c'est pas pauvre. Ah, merde. Ah. Mais j'ai que le pauvre qui est... C'est Passage Pommeret. Ouais. Eh ben, je passerai demain. Allez. Ouais, bah, t'es là demain? Non. Ok. Ouais, parce que bon, c'est ma boutique, mais j'y bosse pas, hein. Oh ben, c'est pour défiscaliser, hein. Oh, c'est l'argent de la drogue, hein. Et bah, tant pis alors. Tu seras après demain peut-être? Mais passe à la boutique. Tu es quand toi dans la semaine? Moi j'y suis pas trop. D'accord. Excuse-moi, ça sent le mec qui a fait une école de commerce, tu vois. Et qui a monté plein de petites boutiques, mais lui il gère à distance, tu vois. C'est, d'accord. C'est ça. Oui, bah oui. T'as fait une école de commerce ici à Nantes? À Nantes. Voilà. Attends, ça se trouve c'est la même. C'est quoi ton école de commerce? Audencia. Audencia et toi? Audencia. Audencia, allez. D'accord, ça, bah, c'est des entre-soi, non? T'as vraiment. Là, je vois un petit garçon, t'as quel âge toi, mon bonhomme? 11 ans. 11 ans. Et donc, qui est à côté de toi? La grande sœur. La grande sœur. Et le moyen. C'est beau de se définir avec autant de justesse. Et autant de lucidité à ton âge. T'as quel âge? 17. 14. 11. Ouais, t'as dit 11 ans tout à l'heure. Là, t'as 12 ans maintenant? À 10 ans, toi, t'as un rêve, toi, ma chérie? Non? Ah bon? T'as fait un rêve? Bon, alors? Toi, à 14, t'as un rêve? Non? D'accord! Et toi, à 12 ans, t'as un rêve, mon bonhomme? D'accord, on est dans une génération, donc vraiment... C'est-à-dire qu'on a plus de projets, quoi. Un Covid, une guerre en Ukraine, plus d'électricité. Oh, bah, qu'est-ce qu'on va rêver, mon bonhomme? Alors là, on sait même pas si on pourra chauffer en février, alors... À quoi ça sert de rêver? Mais ça sert à s'évader, bon sang, bien sûr! Et t'as un rêve, toi, plus tard? T'aimerais faire quoi, plus tard? Ok, ah ouais, la génération de... je pense que le Covid, ça les a défoncés, hein. Ah ouais, mais là, on les a tués. Plus un rêve, plus rien, c'est terrible. Je vois que là, on a que des femmes seules. Et là, que des mecs seuls, je me dis... Oh. T'es en couple, Claudine? T'es en couple, Delphine? T'es en couple? C'est pareil. C'est pareil? Non. Je me disais que ça sentait l'amour au premier rang. Vraiment, c'est... Alors on était sur une belle brochette de kiff, vraiment de... Et attends, parce que peut-être vous allez trouver les hommes de votre vie, ils sont là. C'est toi t'es... Attends, tu as un enfant, toi. Ouais. Et ce n'est pas grave. Eh oui, regarde, la femme mûre, la femme d'expérience, tu vas grandir d'un coup. T'as quel âge, mon bonhomme? 13 ans. Mais c'est ça qu'on veut. Bien sûr. Oh là là, c'est American Pie, voilà, c'est... Tu l'as vu ce film? Ah, je te conseille de le voir. Très sympa, tu vas comprendre ce que c'est qu'une MILF. Ce que c'est qu'une MILF? Non? Eh ben voilà, allez, c'est un petit cadeau. Toi, t'es la deuxième? Ah, et c'est quoi? T'as un garçon au-dessus? Il y a un grand frère? Une sœur? Qui fait quoi? Médecine. Oh là là, médecine et avocat, enfin droit. C'est cliché, excuse-moi de te dire. Non, faut sortir de ça. À 35 ans, tu vas faire un burn-out, ma chérie, je te le dis tout de suite. Et tu vas te reconvertir, tu vas élever des chefs dans le Larzac, tu vas pas comprendre. Et ton père non plus ne comprendra pas, hein, mais c'est maintenant qu'il faut choisir ta vie. Il faut avoir un rêve, là, c'est pas possible. Le père est malin, hein, tu sais, il vous a mis ça dans le biberon. C'est bien médecine, c'est bien droit. Voilà, on en parlait. École de commerce, médecine, droit, voilà, c'est tout. C'est QFD. Comment s'appelle notre future avocate? Marie-Lou. J'aimerais bien connaître le prénom de la grande sœur. Marco?
Ah mais c'est vous. Elle était là avec son mec qui fait médecine, mais ouais. Je me rappelle de tous les gens de mon public. Hein. Mais en plus je l'ai charrié et tout. Elle m'a dit. Mais oui, elle était là avec son mec qui fait médecine. En plus je l'ai charrié à mort déjà hier. Eh oui, d'accord. Et donc là, oui, elle m'a dit que la famille venait ce soir, vous étiez merdé sur les billets et tout. Bah ouais, parce que je discute avec les gens, moi, vous croyez quoi? Après, on boit des coups, bien sûr, c'est comme ça, le spectacle. Bah, envoyez-moi des messages, je réponds à tout le monde sur mes réseaux, j'ai que ça à foutre, moi. Ok. Marco, exact. Avec Jean. On s'est bien foutu de leur gueule aussi au niveau des prénoms. Vraiment, je t'assure, c'est cool. Et toi, elle est où? T'es venu avec qui, toi? Ah ouais, t'as mis une personne au milieu. Tu t'es dit, voilà. Hein? Et toi, tu es qui pour ces deux personnes? Rien. Moi, je suis le punching ball. Vraiment, je prends les coups des deux pour éviter qu'ils se les mettent. Voilà. C'est sympa. Ah oui, c'est toi qui es la directrice de l'EHPAD qui les sort. Vraiment, c'est sympa en tout cas. On va essayer de finir pas trop tard, hein. Attention. La grande, elle a pas voulu venir. Ah si, elle est née avec son chéri? Non. C'est qui au milieu? Ah ok. Ouais, bah c'est... Elle te plaît pas? J'adore parce qu'à cet âge-là, c'est vrai que c'est hyper malaisant. Vraiment, c'est... On sait tous qu'à un moment donné, il faut que tu kiffes aussi. Hein. Enfin, c'est... Il y a quel âge là-bas au fond? Presque 14. Ok, mais ça c'est la maman qui m'a parlé là. Ils sont cachés sous le fauteuil. Ouais, c'est ça. Voilà. Ou alors si tu as 14 ans, c'est que tu as commencé la cigarette très tôt. Vraiment. Hein, y a une petite pression parentale pour les études de médecine? Pas tant que ça, c'est de ton plein gré? Ou alors c'est vraiment qu'ils ont dû faire ça petit, ils ont insufflé. T'as des frères et sœurs? Ouais. Combien? Deux grands frères. Et ils font quoi? Médecine? Ingé et commerce. Oh, oh oui. Oh bah si. Il manque plus que l'avocat et le notaire et on est bon. Hein. La chérie, elle fait quoi? Tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis en médecine. Ah bah forcément, on s'est rencontrés en soirée médecine. Alcoolisée. C'est... Mais quand tu vois leur soirée médecine, j'en ai fait. Hein. J'ai fait une école de commerce. Oui, avant de faire. Bon. Mais tu te dis, c'est ces gens-là qui vont nous soigner après? Non mais parce que en fait, si tu veux, à ces soirées-là, leur cerveau est parti, il est ailleurs. C'était, tu te dis, mais comment lui peut opérer objectivement les viscères? Sans déconner, quand on voit comme il est assez con pour se péter des glaçons sur la gueule, franchement, c'est très enfant ou vieux ce soir. Vraiment, il y a... Parce que ORL, c'est principalement pour les vieux qui perdent... Bon, après, s'il y a les petites angines, oui, les quoi? Les trous de nez, tout à fait. Mais... C'est vrai que hein, tous les matins, on se dit, tiens, je vais me faire vérifier les trous de nez, franchement. Ah ben, je l'appelle mon oreille, tiens, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait vérifier les trous de nez. Allez, on y va. Je suis heureux de revenir à Nantes, vraiment, parce que vous êtes quand même différents. C'est la Bretagne, mais c'est vraiment la fin fond de la Bretagne. C'est le parent pauvre de la Bretagne. Vous êtes... Vous étiez marié avant dans une autre vie? Moi non. Toi non, mais lui oui. Ça pue l'adultère, ça. C'était pas le moi non, mais bon, on attend. Monsieur n'a pas signé les papiers. Et il n'est pas là un jour sur deux, mais bon, soit disant il travaille, je l'attends à la maison. Non mais... Parlons du mariage, je vous souhaite d'être heureux, je te souhaite un jour de sortir avec la soeur de ton pote. Tu n'es pas là par hasard.